Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Dead by Daylight, mais cette fois sur mobile. Bon, en vrai, c'est pas vraiment Dead by Daylight, hein. Vous vous en doutez bien, un jeu comme ça ne peut pas tenir sur un téléphone. Toutefois, je pense qu'il y a moyen qu'il soit pas trop dégueu. Du coup, on va regarder ça tout de suite, il s'agit de Deadlight, c'est parti. Du coup, bon, pour le coup, je pense que je vais pas vous réexpliquer vraiment le principe de Dead by Daylight, hein. On voit qu'à gauche, il y a un tueur assez badass qui ressemble à un mix entre Leatherface et le tronçonneur. Et à droite, on a un survivant des plus badass. Du coup, évidemment, on peut jouer soit en tueur, soit en survivant. Pour la première, moi, je vais jouer en survivant. Parce que bon, c'est quand même un peu ce que je préfère de base. A priori, il y a un système de compétences. Genre, peut distraire le tueur en lançant... Ah, en lançant un bâton qui explose en 3 secondes. Ok, donc en gros, on le distrait avec une explosion soit... J'ai pas dit OK Google. Bon, retournons-y. OK Google, laisse-nous tranquille. Donc du coup, voilà, il y a un système de perk. Il y a des points, genre des gouttes de sang. Donc je suppose que ça, bon, ça ressemble beaucoup à DBD quand même. Hein, on va pas se le cacher. Du coup, c'est parti. Connecting to server, finding match. Ah ouais, mais c'est genre super rapide en fait. Genre, il y a cher des gens qui jouent à ce jeu. Par contre, oh là là, les 4 traits et tout, c'est tellement DBD. Mon dieu. Ok, donc je suis dans la map, on voit en haut à gauche, donc ça se contrôle là le truc avec le joystick ici. On a les crochets, ah c'est exactement les mêmes que des BD, what the fuck. Et ensuite, eh bien, on a les générateurs là, pourquoi je cours pas? Ah oui, c'est parce que j'ai ça, faut faire ça. Ok. Du coup là je peux faire un générateur, sauf qu'il faut pas que j'oublie de regarder autour de moi. Hein. Sinon, ah je peux pas regarder autour de moi pendant que je fais un gène, oh mon dieu. Et en plus moi j'ai pas le son, malheureusement il y a pas le son parce que j'ai pas réussi à le choper avec le record. Et qu'est-ce que je fais? Attends, mais là, il va savoir que je suis là, du coup, là. Attends. Je vais péter mon gène. Monsieur? Monsieur? Non, c'est bon. Ah, il y a quelqu'un qui est au sol. J'avais pas vu. Mais qu'est-ce que je suis censé faire, moi, ça? Ah, mais en fait, j'ai pas besoin de rester appuyé sur le symbole MDR. Du coup, je suppose qu'il faut appuyer sur le symbole du générateur. Par contre, les tests perfect, c'est trop facile, hein. Et il a décollé, monsieur, genre il en a eu marre. On a les mêmes que sur DBD. Là, on est à 3 dessus, là. Cours! Ah, j'ai été blessé! Je sais pas s'il est derrière moi. Est-ce que le monsieur est derrière moi? Oh putain, je crois que oui. Cours, Forest. Bon, alors, niveau maniabilité, c'est pas la folie, hein. Vraiment, c'est pas ce qui est plus pratique. Mais je pense qu'avec un peu d'entraînement, on doit pouvoir y arriver, en vrai. Ok, je crois qu'on est tranquille, là. Ok, là, je crois qu'on est tranquille. La dame elle est en train de se faire courser, je crois. Ah non, mais il veut me soigner. Oh non, le tueur il a live. Alors, ça c'est le gros problème, je pense. Le gros problème c'est que vu qu'on est sur mobile, ou je suppose aussi tablette, et il est également disponible sur Android et sur iOS, bah le fait c'est que t'as juste à verrouiller ton téléphone quand t'en as marre, et puis salut quoi. Donc, pour ça, c'est peut-être un petit peu limite. Mais bon. Du coup, on a eu des gouttes de sang, et zéro je sais pas quoi, et sachant qu'on peut regarder des pubs pour en avoir plus. Bon, il faut bien qu'ils vivent, les gens, hein. Du coup, je vais refaire un petit game, parce que bon, on peut pas vraiment dire qu'elle comptait, celle-là. Bon, j'ai essayé de mettre le son du téléphone, j'espère que ça va pas être trop dégueulasse, normalement, ça devrait le faire. Ok. J'entends des gens qui courent, mais je sais pas si c'est des survivants ou si c'est le tueur, en fait. Parce que s'il me one-shot comme le vrai Francis, je vais crier. Ah, putain. Quand tu pètes le gène, ça fait tellement de bruit. Par contre, je fais que des perfects, c'est abusé. Leur test, il est pas assez difficile. D'accord, y a pas spécialement de bruit. Oh my god, le bruit de pape. Non, non, non. Il m'a vu ou pas? Je crois qu'il m'a pas vu le tueur. Ok, ça c'est un survivant. Monsieur, ne fais pas péter le gène, enfin. Maurice. Oh putain. On entend le bruit de la tronçonneuse, là. Ah. Genre, on a fait péter le gène à peu près 10 fois de suite, là. Oh non, monsieur, ne fais pas péter le gène. En vrai, s'il était un chouïa mieux fait... Genre, ce serait vraiment pas mal. Sachant que si je dis pas le connu, je crois qu'il y a deux tueurs. Mais bon, on verra ça plus tard. C'est horrible les bruits de pas. Bon, il va pas tarder le tueur. Ah non, il est sur quelqu'un. Il est en train de taper quelqu'un. Ah non. Mais Green qui est blessé. Oh non, les gars. Toi, t'es blessé, toi. Ah. Laisse-moi tranquille, Francis. Bon, là, il y a pas de palette, les gars. Hein, je vous le dis. Hein. Par contre, je crois que le tueur, il sait pas comment on court. Enfin, à moins qu'il puisse pas courir, mais ça me paraît compliqué de nous rattraper. On a pas de stamina. Enfin, en fait, tu me diras dans des BD aussi, on a pas de stamina. Mais là, il marche donc je vois pas comment il peut me rattraper là. Trouvons un générateur. Je sais pas si c'est comme sur des BD et lui, il les voit les générateurs.
Et c'est quoi ça sur le mur? Ah, c'est les portes. Ok, c'est la porte de sortie. Ne livre pas, monsieur le tueur. Moi, je veux voir comment elle s'ouvre la porte de sortie et tout. Hein. Zeb! Il m'a pas vu. Il m'a pas vu! Ouais, on peut pas trop bouger. On peut. Ah non, on peut pas. Hein. Merde, fuck. En même temps, il n'y a pas de bruit d'annonce du test d'habilité du générateur. Donc, c'est normal aussi qu'il soit pas trop dur. Parce que là, je te dis même pas la galère là. Si le tueur il arrive maintenant. J'espère qu'il peut pas me body block, sinon ça va être la galère. Hein. Ah, on a fini les gars. Tous les gènes sont faits. Putain, attendez, faut qu'on court à la porte. Que ce soit moi qui l'ouvre. Je cours. Et par contre, il nous dit pas du tout où elles sont les portes, hein, donc débrouille-toi. Hein. Je crois qu'elle est par là, non? Oui, elle est là. Ouverture de puerta. Por favor. La puerta está abierta. Oui, me gusta. Et on se barre. Hop là. Oui. Du coup, j'ai eu 45 gouttes de sang. C'est déjà pas mal quand même là. Et 10 points de je sais pas ce que c'est. Du coup, est-ce que je peux les dépenser ou pas? Fais voir. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Ah, c'est par la suite. Oula, la dernière perk. Elle coûte 150. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de quoi acheter les perks. Mais en gros, vous avez plusieurs perks. Il faut aussi, par contre, acheter les emplacements de perks, j'ai l'impression. Genre, ability slot. Et ça coûte 100 gouttes de sang. Donc franchement, c'est pas non plus infaisable. En 2-3 games, si le tueur arrive pas, je pense que vous pouvez y arriver. Du coup, maintenant qu'on a joué en survivant, les amis, jouons en tueur. Évidemment, quand on parle de tueur. Mais voilà. C'est parti. Play as killer. Alors pareil, il y a un système de perks tout chelou. Mais oui. Toi aussi, t'as des perks que tu dois acheter avec des points de sang. Et les points de sang sont également communs, ce que je vois, parce qu'il y en a 53 là. Allez, c'est parti. T'as pas regardé s'il y avait d'autres tueurs? Comment je fais? Il y a des flèches en bas. Oula. Ça, c'est pas du DVD. Non. Coming soon. Ah, on dirait plus des zombies en fait dans cet univers. Ah, lui, c'est pas zombie, non, lui, c'est carrément zombie. Allez, je joue le connu. Tu joues Francis? Je joue Francis. Enfin, Leatherface plutôt. C'est clairement Leatherface en vrai. Oui. Recherche de match. Ah, par contre, oui, il y a moyen qu'en tueur ça mette beaucoup plus de temps. Parce qu'en survivant, j'ai littéralement trouvé en une seconde quoi. Ah, bah là. En tout cas, ils ont vraiment copié des BD même sur les temps d'attente pour tag en tueur. Et ça, c'est cool. Ça explique le temps de tag extrêmement court en survivant. Alors, on tente de relancer et on va voir si ça tag mieux. MDR. Ah c'était un bug. Très bien, c'était un bug. Je crois que je me suis exclamé trop vite. Le jeu m'a entendu, il a fait. Non, tu n'y arriveras pas si facilement. Stop. Oui, reste. Reste là. Pas bouge à bouger. Trouve-nous des survivants. Aha. Ah, premier survivant. Deuxième sur 3, 4. Parfait. Tu vas pouvoir tuer des gens, c'est parti. Oh. Comment on tape? La tronçonneuse à droite, je pense. Tronçonneuse à droite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je peux sprint, ok. Alors ça, c'est la tronçonneuse, mais en fait, je peux pas sprint et avancer en même temps, faut deux non, doigts. Non, mais si, mais non. Tu appuies dessus et tu tournes. Pas de stamina, en fait, là. Ah, j'ai pas de stamina, très bien. J'avais une survivante, il fut un temps. Là, j'ai un crochet. C'est indirigeable. C'est horrible. Ils ont réussi à en faire un. Ah elle bon est là, elle est là, à gauche. Hein. À gauche, il y a une personne. Hein. Ah oui, vu. Est-ce que je vais la choper instant? Ah, il y en a même deux. Tu l'as pas touché. Mais c'est quoi, cette blague? Très belle physique. Là, je vais la brain. MDR. Je l'ai touché. Ah, je l'ai touché. Ça s'est vu, il y a eu une magnifique animation. Et tu vois là, t'as ton truc à gauche pour courir, il est rouge. Et non, et là tu restes appuyé dessus et tu scroll, enfin tu voilà. Ah OK, mais pas avec le truc du joystick du coup. Non. Allez oui. Crochet, je du te coup, porte. Crochet. Alors par contre, ça je crois que c'est un peu débile. D'accord, je te porte pas, ça te met instant au crochet le plus proche. C'est instant, genre t'as même pas besoin de gigoter et tout, genre. OK, la vie a l'air de descendre assez vite, il y avait quelqu'un là-bas, je pense qu'il y a encore quelqu'un, pas du tout. Ah d'accord, ça c'est un gros cul-de-sac. Par contre, il y a un seul niveau, du coup. Il y a une seule map, je pense. Une ouais. Seule map, ok. C'est un cimetière là-bas, je te vois. Ça a été libéré. Je te veux, toi, là-bas. Tu saignes, c'est pratique de te voir. C'est pas du saignement, je pense. Ah, là, elle était déjà la marque, c'est comme les traces rouges dans des BD, en fait. D'accord. Ah ouais, c'est un peu plus pété, quand même, là. Ah bah là j'avoue que là par contre on en parle de la vitesse du tueur par rapport au survivant ou pas? Parce que je veux bien sprint mais je peux sprint à peu près une fois toutes les 10 minutes. Ah il y a quelqu'un là. Bonjour. Bonjour monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah il a fini son gène. Mais en fait sans sprint tu peux rien faire. Ah mais en fait tu te recharges quand tu marches dans leurs traces. Vas-y cours là. MDR. Le mec il s'est cru sur des BD.
Allez, je l'ai eu. Oui. Oui. Allez, crochet. Non. Oui. Non. Si, oui, c'est bon. Si, c'est bon. Il est où? Tu le vois à travers la map? Non. Là. Ah si, il est là, ok. Ouais, mais c'est vraiment au crochet le plus proche, en fait. Là. Là, il est passé, tu l'as vu, là. Il y en a deux, même. Ah, tu l'as touché, je crois. Ouais, je l'ai touché. D'accord, en fait, tant qu'on court après un survivant bien... Allez, nice. Par terre. Deux au crochet. Non, ça, tu veux pas... Oh, tu vas être libéré, je pense, mais... Oh, bonjour, madame. C'est horrible, j'ai des gros doigts, je touche toutes les touches en même temps. Le mec, il y a une touche à gauche, une là, touche à droite. Là, là. Mais j'ai pas tapé le gène. Bouge plus, monsieur, s'il te plaît. Tu devrais bouger un peu moins. C'est tellement voilà. Dur à contrôler en ouais, même temps. Ouais. Je vois en tueur, j'imagine même pas en tueur. Ah, il y en a un qui a déco. Ah, l'autre, il a libéré la dame. C'est horrible. Mais quel est ce jeu? Quel est ce maléfice? J'avoue qu'en survivant, ça m'a l'air quand même un peu plus simple qu'en tueur. Quand ah, même. Là. Ben, c'est toi qui elle t'as se accroché. Cache à poil derrière la tombe. Hey. I think we did a pretty good job so far. Alors. Recharge-toi. Ouais, mais j'y arrive pas. Ah si, c'est mon chargeur. Et run. En fait, tu peux pas te recharger pendant que tu cours, en fait, c'est pas possible. Ah. Sauf que par contre, quand tu cours, toi t'es vénère, quoi. Non mais, please. Madame. C'est impossible. C'est hyper chaud. Je suis rechargé. Mais d'où? Oui. Ah bah elle, au moins, elle l'a pas volé, celle-là. Tu l'as accroché ou pas? T'es non, sûr? Ça l'a pas accroché. J'y retourne. Crochet. Non, bah non, pas tronçonneuse, crochet. Crochet. Non. Si. Mais. Bah, vu qu'elle bouge, en fait, ça marche pas. Ah, par contre, les portes de sortie sont vertes. Marche pas. Si, ah, ça y est. Il est en train d'ouvrir la porte, vite. Mais avance, Jackie. Vite, vite. Non, oui. Clique, allez, j'ai cliqué, Jackie. Je crois que tu l'as mis au crochet, c'est bon. C'est vrai? Oui, oui. Non, non, ils sont. Si, il y en a un qui est mort et un au crochet là. Ah, oui, un mort et un crochet, très bien. Il a libéré la dame. Non. Si. Ah, si. Tu ne t'enfuiras point. Si, tu t'enfuiras parce que j'ai pas de sprint. Ah bah là, ouais, faut marcher dans ses traces. Cours, salaud. Ok, oui. Du coup, j'ai eu 75 points. Ah ouais, c'est quand même plus worse d'être tueur, je trouve. Bon, un peu comme sur DBD. Petit bilan du jeu, il est cool, il est drôle. Niveau maniabilité, c'est zéro. Quoi. Ouais, c'est ça, maniabilité zéro. Après, il est pas spécialement beau, il est simple. En soi, on n'attend pas plus d'un petit jeu mobile, c'est sympa. Après, c'est voilà, j'y jouerai pas toute ma vie. Ah bah, de game, mais t'as plus de doigts, t'es pas complètement paniqué sur ton clavier, enfin sur ton téléphone et tout, c'est une catastrophe. Du coup, les gens, on espère que ça vous a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très bientôt dans un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao! Ciao tout le monde!